فاش تلقيت قرض تهضر دا في الوالدين هكا الوالدين حاشاك اللي قال الوالدين عزيزا عزيزي تمليح وين زمنا ديخ من الخير الوالدين يس il faut profiter parce que le temps passe vite donc voilà مهم ثغراتينا ثولا وين هي الوالدين ونر كليا allez Chantez en cœur. Un peu plus fort, vas-y, avec moi. Faites-moi plaisir. Aouda ça. Encore? Merci.
كبابا حملة غشنا حملة غلفان نضيد شنو آمي لسلام الصابرين في وافا وضع بخدمة بالخير كنثى فاض شدهي غازي زوما يثمع سخص في الصور أباب القدرة أي مولاني وعزيز اللان أيش في حنب وذموان الحلوين تربكي قرزان أرب في حرف الناس بعض عوف الله ونقول ويحب صوانا والفوق نطاس حملة كون مرسي تنمير مرسي بوكو ويتي ضغطي تولين نزول ونصف في سوان نقلا غادي كوخام قدس مولودة معمر ثويت كفاث مغرا غيد سود سن ذاكي كوخام قدس مولودة معمر دات شنا يوثن تنازور تتحمل مع أتاس أتاس تقل توسى رحاب أزوف لما تاوس أزوف لك يا جماعة عزيزين مرحبا يسك صحة الفطر نون وصحة رمضان نون ويتي غادي تولين كام الو طاوس زي تبديت بسا هاث وقفل نبدون قصان سقنا دوا ولا غفلة البومين أول مديجا غفت مغرياقي وكذو حل فيلم مثل ذوكي وذكي ما حملان دينا غلا فيريتي سي فري كو كل سقوس نخدم ذاقي معنا سقوساقي سي ديفيرون باسكو en fait sgosagi on avait décidé juste après la sortie de mon nouvel album avec Safi Boutla qui est mon directeur artistique on avait en fait j'ai décidé avec mon producteur qui est Nadir Gendouli de bien sûr c'est un deuxième pas qu'il faut knikhan c'est tout à fait normal les semaines c'est déjà de me faire de créer ma propre formation ça veut dire mes propres musiciens qui vont jouer knikhan mais vraiment juste tous les titres de l'album you know donc c'est une première c'est vrai que j'avais un petit peu le trac mais ça s'est super bien passé et puis le public c'est un public vraiment qui aime écouter tout ça veut dire on sait alors ça veut dire c'est un public il faut juste lui parler voilà des trucs et des choses ça veut dire c'est un récital c'est voilà donc j'ai chanté chanson par chanson avec mes musiciens ça m'a vraiment plu les musiciens c'est ils sont de la nouvelle génération Inch'Allah on ira loin voilà moi j'espère vraiment faire tourner un petit peu avec cet album donc voilà mais c'est gagné franchement j'étais très très contente alors sur le mixage de l'album justement خاطر l'album est même جديد ريتا sous la direction de Safi Boutla sur plan musical c'est un grand virage musical et خدمه exactement c'est vrai parce qu'il fallait que j'avance, voilà. Ça veut dire il y a un début à tout. C'est vrai que nous les artistes, c'est vrai que c'est pas facile. Il faut beaucoup de travail. Il me reste encore beaucoup de chemin à faire. Il me reste vraiment du chemin à faire. Mais ce que j'ai fait avec Safi Boutla, c'est en fait c'est ce que j'ai toujours rêvé de faire. Ça veut dire pour moi, sauf un album, le Mohim, j'ai fait de la bonne musique. Moi, ce que je veux, c'est. Peut-être que c'est ma manière de voir les choses, mais peut-être que j'aimerais bien le connaître. Voilà, c'est bien. Donc, je travaille beaucoup sur ça. C'est un travail complet. Il faut travailler sur ça. Il faut même travailler sur le look. Il faut travailler sur tout. Soit on représente bien.
Tarvailis, ça veut dire la Kabylie et puis Tarvailis. Et la femme algérienne en général, elle a les hal, mais surtout Tarvailis, parce que moi je suis une chanteuse kabyle et je suis fière de l'être. Après, si je chante kabyle, c'est pour représenter ma Kabylie et Oumbachinet Tarvailis à Guinée. Si on veut bien le. Ça veut dire on veut. C'est une selle, soit tu vas dans la soit tu vas dans la salle. Ça veut dire qu'il faut avancer. Et avec Safi Boutla, j'ai appris beaucoup de choses. C'est vrai que pour les gens, peut-être dans un premier temps, ils vont se dire. Je sais pas, ils vont trouver peut-être Zara là, parce que. Il faut pas penser que le Rachid Nord au cinéma la vraie musique. Attention, il y a la nouvelle génération, il y a 13-14 ans, je te jure que. Ils sont tous branchés, ça fait des jeunes filles qui elles n'écoutent ou c'est l'interhacha dans la Delerie, Adèle. Ce que je veux dire, c'est que j'ai rien changé en fait des chenettes Vailis. J'ai rien changé. C'est juste que on essaye de pousser la chanson kabyle loin et sortir du cercle néant, ça veut dire de Maghreb, par exemple, des Guinées, les gens. Par exemple, ils ont l'habitude genre un artiste qui monte sur scène pendant 35 minutes, 40 minutes, il ne s'arrête pas. Il ne s'arrête pas de chanter. Même les Khadraïud, c'est des vrais. Parce que quand on n'est pas bien entouré, quand on n'est pas bien encadré et tout. Mais Alhamdoulilah, là, j'ai décidé de sauter un pas à RZDF. Alors, voilà. Un petit peu de l'autre, c'est à dire, il y a Kamel, voilà, à chaque dîner. Safi Boutla, c'est vrai que je ne le connaissais pas avant. Je ne l'ai jamais rencontré d'ailleurs. Tiens, il est en contact avec Nadir Gendouli, qui est mon producteur. Et le coup de Nadir, justement, là, on a pensé à faire un album, bien sûr, comme d'habitude. On était en train de penser à. Quelqu'un qui va arranger l'album, voilà. Ou Nadir Gendouli Yagi, c'est un homme qui il est vraiment branché, il est très intelligent, il aime la musique, il écoute. D'ailleurs, à Koulmala Kemaïs, il me fait écouter que des belles choses, des trucs vraiment. Des trucs vraiment, genre, pour une chanteuse. Ah, tiens, pourquoi je vais pas faire comme elle, si je peux. Maintenant, il faudrait faire cette année Safi Boutla. C'est un moment, en fait, Safi Boutla. Il préparait une compile, on va dire une compilation. Compile Guinée, qui s'attache les artistes et tout. Comme Amel Zen, Hayat Zarouk, la nouvelle génération. Nadir Inès, je te propose quelqu'un, c'est tout. Mais sinon, je te propose quelqu'un, Inès, je vais te faire écouter un truc. On a enregistré une petite chanson comme ça, dans le studio. C'est un truc que j'ai composé moi-même. J'aime bien le truc, le pentatonique. Ça veut dire, quand on parle du pentatonique, c'est tout ce qui est Sahraoui. La gamme, c'est une gamme, généralement le Sahara. C'est le pentatonique, on appelle ça. Donc du Smix, là, ça fait bout là, le truc ici chez Ganadir, et ben Inès, ben, elle habite où il a cru que, bizarrement, il a cru que je suis une personne qui vit aux États-Unis. Or qu'une Guinéenne en Afrique, et je suis fière d'ailleurs. Hein. Mais en fait, ma façon de chanter, parce qu'en fait, moi j'aime bien le blues, le jazz et tout. Donc quand il a écouté, il a trouvé que vraiment c'était magnifique. Et puis Inès, où est-ce que tu as trouvé cette merveille et tout. D'après lui, il a tout de suite aimé et tout. On s'est vite rencontrés sur Alger. Et puis depuis, on est resté en contact. Et puis on s'est dit. D'ailleurs, même c'est Safi Boutla qui nous a proposé ça. C'est lui qui nous a. Inès et tout là, j'ai vraiment envie de travailler avec elle. Pourquoi pas pour un album. Et puis c'était parti comme ça. C'est vrai que ça a pris beaucoup beaucoup de temps parce que j'ai pas enregistré ici, j'ai enregistré en France dans les studios Ferber
en France. J'ai découvert c'est une expérience, c'est une très belle expérience pour moi. Mais après, quand on entend des gens, des journalistes qui... Le studio Ferber, c'est l'un des grands studios de l'Inde France. C'est l'un des plus grands studios en France. D'ailleurs, j'ai été... Même sa fille, Boutla, c'est ce qu'il m'avait, il m'avait dit ça. Il m'a juste posé la question, Ined, tu voudrais enregistrer où ? En France. Au début, Ined s'est dit, c'est quand vous voulez, tout cher, pour... Ça veut dire rester sage, quoi. Parce que, attention, pour enregistrer dans un studio en France, Studio Ferber, c'est... Il faut dire que c'est cher aussi. Voilà. Donc, viens en France, tu vas découvrir des trucs nouveaux, tu vas rencontrer des gens nouveaux. Et effectivement, c'est vrai qu'il y a une différence énorme. On a des génies ils sont. On a des gens vraiment très très compétents, des ingénieurs de son, Allahi Berk et tout. Mais il faut dire qu'en France c'est différent. Le son des Français c'est différent. Je suis très satisfaite et très contente du résultat mixage et tout. Alors, l'album a été créé qui l'un des quatre artistes de duo, avec Rachid Koussaïla, avec Mohalawa. Alors, le choix, c'est les titres, c'est les artistes. J'avais pas décidé au début de faire un duo, Rachid. Bon, commençons par Rachid Koussaïla. Rachid Koussaïla, c'est quand même un artiste, un grand artiste que j'aime beaucoup. Kine Rachid, c'est un gaffe, il faut dire ce qu'il en est. Il a une présence énorme, c'est... Vraiment, c'est un grand. Connaît les artistes et je me souviens que j'aimais une de ses chansons. À chaque fois qu'elle c'est Rachid, j'adore cette chanson. Et puis une aide, viens, on va la faire en duo. Rachid, normal. Une aide, viens, on va faire un duo ensemble et tout. Et puis moi je voulais aussi, et puis une ranette, et puis Sfard, elle était magnifique, on l'a gardée. En bas, quelques temps plus tard, elle m'a dit, il faut qu'on fasse l'album, c'est bon, il restait vraiment pas grand chose. Il y a Dedel Studio pour écouter l'album et tout. Comme il s'intéresse quand même à chaque fois, il dit, moi, il dit, et Khaled, je suis comme un frère. C'est vrai. Parce que moi, ça a des qualités énormes. C'est un garçon, c'est un professionnel, c'est un c'est un perfectionniste et il bosse beaucoup. Ça veut dire, c'est un garçon d'ailleurs, il est tout le temps stressé. Nasmet Ardam Kishini, c'est pas la peine. Non, parce que moi je suis zen, très zen. Voilà, donc je disais pour Lawa, donc il est juste passé au studio pour écouter l'album. Et puis il s'est occupé de l'album, il a HVS et tout. Il a donné ses idées. Voilà, il a donné son point de vue. Et puis voilà, c'est après qu'ils m'ont annoncé que c'est mon producteur qui m'a annoncé. Blik, voilà, moi finalement il a choisi, il a aimé une des chansons de l'album. Et puis moi il a écouté la chanson Inès Teguines, mon producteur aussi m'a dit Inès Nadir, tu es sérieuse Amaz. Elle s'est dit non, je te parle sérieusement. Et puis effectivement c'est comme ça que ça s'est passé, parce que moi je vais s'enregistrer, c'est vrai, c'est une berce, c'est une valse, c'est une chanson, c'est une petite chanson d'amour, voilà. On l'a faite ensemble, on l'a chantée, on s'est rencontrés en France, voilà. Donc on est passé au studio et puis donc il y a deux duos dans l'album. Et puis moi je suis très contente et très fière, je les embrasse très fort, Amar Rachid, moi, parce que pour moi le fait ils ont participé le projet Guinée, ça me touche beaucoup, parce que en fait c'est pour ils m'ont aidé à donner des idées et tout, donc voilà. Hamid Moulhi, donc c'est le texte. Hamid Moulhi, c'est Hamid Moulhi, c'est l'élément, l'un des éléments les plus importants de l'album, parce que Hamid
il est unique, hein, Hamid. Quand Makik Thakir ou Haja, ça veut dire Hamid, tu sais, Makik Sin, autant vous êtes amis déjà, donc il est haou, c'est quoi des femmes, les petits détails de ta vie, hein, c'est un petit peu, on va dire, notre coffre fort, les secrets là, car voilà, c'est tout. Donc, voilà, donc, il y a des gens qui ont été vite à faire la chasse. À peu près, mais c'est un grand artiste, Laiberg, qu'on l'aime tous, et c'est tout le monde qui veut travailler avec lui, parce qu'il est sincère et il fait de belles choses. Moi, franchement, j'adore ce qu'il fait. Hamid, c'est le parolier de pas mal d'artistes connus. علاش غادي نشنو الا غادي نشنو الحاجه الوغ زابليك انت تاخش تحمل زابليك عطاسيك حمل تجلس لي نوري مولاني وعزيزا دونك تي دارني شي طوح وتهضرك واذا كي غادي تولينا كان اسن سوسلاك سلام سي تي نون اور بور مو دو باسي افيك كمال بيان سور حشوينك حمل ربي كان يدينا غورك صافي بليزير دونك فوالا جو في ان بتي كوكو بور تو تو سو كي سونت ان تران دو نو ريغاردي ثوركا بون دونك فوالا حتى قلت لي يكون مثي سورتو لي مامون فوالا هي مولاني عزيزا ايوش في حن بوذ ماوان اذكن وي ملان يصوران والفقر ناطس حملة وكوان مي بعض في اللون ولي ويحزن تشذهي غيغي مي قرب بنوان ذكون وي ملان يصوران ربي حارف اللسان اسل ما في الوالدين وكن نضعن بيان سير اوبليجي فوالا مي بارون مي حرز ربي مولاني مي حرز ربك مولان وذي سغس في ربي العمر وذي درن فلسني عفو ربي وذي موتن فوالا ثاني ميرث نون ان شاء الله كوني حرز ربي ولدك حتى كمال ان شاء الله يديفك ربي الخير كيحرز ربي نراويك توشلتيك ميرسي بور سو مانيفيك مومون اي فوالا دونك جومبراس تو لي جون كي سونت ان تران دو نو ريغاردي كيما كان ايما زيغن جوسكو بو ان شاء الله شنو تقبل ثلاث ثانوي من بعيد ان شاء الله يشفي انا بزوان دو فوتر امور اي انا بزوان دو فو بور فوالا بور نو ايدي جوستومون ا الي لوان اي بيان ريبريزونتي نوتر كابيلي فوالا سا مازيرس فوالا تلمير ثي طاو سرحاب بحود حنا فلام افوذ ايغر زندي شنايل من قبر دينا تلمير ثي كل متريك كل ود الدنيا الناس راه ماذاك الذي في السلسل الاول اول نبغي تدك صورت لنا طاو سرحاب جاك دينا الخير ارثيك التنيض Who's up?
Merci beaucoup.